Medlo, 8 mars 21. Céleste et Perry, la trentaine passée, le couple modèle. Elle est plus vieille que lui, il est fou, amoureux d'elle. Ils ont deux fils magnifiques, une villa en Californie. Qu'elle est formidable cette villa, entourée de meubles en formica. Mais qu'est-ce que leur paix dans la soie cache? Que veux-tu dire par la soie cache? Ok, sans périphrase, Perry la frappe des coups de bourrin. Du soir au matin pour tout rien, enfin surtout pour rien. Toujours propre sur elle, elle déguise son visage, tu méfies. Pour ne pas qu'on lui dise, tu sais, t'aurais dû te méfier. Peu à peu, ses rêves fondent, la mort comme issue, à mesure que la commissure de ses lèvres se fend. L'amour et la haine se mêlent en fin de semaine, quand il se repentit. Mais chaque fois c'est la même, une phrase de travers et c'est reparti. Envahie par la honte, des bleus cachés sous ses manches, elle se jettera la faute et mentira sous serment. Apeurée, pour protéger ses mioches. Un jour la nuque de Perry se brise sur les marches. Il y a du bruit sur ses marques de lutte, des cris, des râles et l'horrible mal qu'elle décrive. Céleste est belle, elle est libérée, le corps de Perry gît dans l'escalier. On aimerait que le méchant paie au moins le laisser choir. Comment échapper au mal quand il est chez soi? On aimerait que le méchant paie au moins le laisser choir. Comment échapper au mal quand il est chez soi?